Jesus, ты верашь. Кажибас! Кажибас! Андреева! А? Бума, бума! Qu'est-ce qu'il y a? Où va-t-il là-bas? Tu veux te donner aucun pouvoir ici dans la maison, même si je suis le chef de famille. Papa, tu sais, si tu la frappes, les gens diront que ce n'est pas sa fille. Oui, fils, je suis son père. Mais comment agit-il? Comme le bambin mérite d'être bien traité. Ah, oui, donc, assez-vous. Soko, cahier d'absence. Merci, Soko. Merci. Donc, répondez par présent. Yaya Sonko, présent. Moustapha Seri, présent. Salih Biaye, présent. Fanta Dignale, présent. Moustapha Sonko, absent. Moustapha Diédou, absent. Souleymane Seri, présent. Amadou Diame, présent. Evan Bay, absent. Toujours absent. Eva Mom, toujours absent. Absent, toujours. Très bien. Donc, quelle était la dernière leçon de géographie? Très bien, la population de ma commune. Géographie. La population de ma commune. Très bien. Qui va réciter sa leçon? Monsieur. Oui, Sonko. Géographie. La peuple. Congo. André, Eva, mets-toi, qu'est-ce qu'il y a? 7 jours en retard. Non. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je veux chez moi. Je me lève à 6h du matin pour balayer la cour, les chambres, laver les bols, puiser de l'eau pour les canaris, mais aussi pour les russes. Moi seul. Ah, voilà une bonne élève. À cause des travaux domestiques, elle vient toujours en retard. Mais il est bien, elle est bien, du moins. Donc, qui va réciter sa leçon? Monsieur. Oui, Sonko. La population de ma commune. La population de ma commune est de 22384 habitants. Elle est composée d'hommes, femmes et l'enfant. C'est une population jeune en majorité fille. Les activités diffèrent selon le sexe. Les garçons jouent et vont à l'école. Les filles travaillent et se marient très tôt à des vieux hommes. Très bien! Très bien, Sonko! Qui d'autre encore? Oui, Eva! La population de ma commune est de 22384 habitants. Elle est composée d'enfants et d'enfants. C'est une population jeune en majorité fille. Les activités diffèrent selon le sexe. Les garçons jouent et vont à l'école. Les filles travaillent et se marient très tôt. Elles sont souvent violées de leurs droits. Très bien! Très bien! C'est très bien! C'est bon! C'est ça que je veux. Les élèves qui apprennent leurs leçons. Ça me plaît. Très bien. Donc, quelles sont les causes de cette leçon? Oui. Grossesse précoce. Très bien. Les grossesses précoces. Qui d'autre encore? Oui, c'est dit. Les travaux domestiques. Très bien. Les travaux domestiques. Encore. Qui d'autre? Traitement inégal des enfants. Très bien. Le traitement inégal des enfants. Très bien. Le traitement inégal des enfants. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Oui. Quelles sont les conséquences? Oui, c'est lui. La pauvreté. Très bien. La pauvreté. Qui d'autre encore? C'est monsieur. Ah, c'est quoi? L'analphabétisme. L'analphabétisme, ça entraîne aussi. Oui, très bien. L'absence des filles à l'école. Très bien, l'absence des filles à l'école. Comment vous êtes? Oui, jamais. L'absence des garçons à l'école. Ah, jamais. C'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal. C'est bien. Donc, comme il est presque l'heure, on va s'arrêter ici. Mais, arrivez à la maison, dites à vos parents de venir demain à la mairie. Parce que nous allons parler beaucoup de choses là. À nouveau, j'ai dit, hein? Au revoir les élèves. Au revoir, monsieur.
Population de la commune d'Adeyan, rendez-vous à la mairie. Oh, population de la commune d'Adeyan, rendez-vous à la mairie. Oh, population de la commune d'Adeyan, rendez-vous à la mairie. Population de la commune d'Adeyan, je vous salue tous. Vos enfants et moi sommes heureux de vous rencontrer pour vous parler d'un sujet très important. Laquelle? Portant sur vos filles. Monsieur, ne nous fais pas perdre du temps ici. Laissez-nous tranquille et donnez-nous la paix. Nos filles doivent connaître, maîtriser leur foyer pour être bonne femme demain. Monsieur, il est presque l'heure de la prière. Si tu veux t'occuper de nos filles, si tu veux risquer d'être seul ici. Je ne partirai pas d'ici. Je ne partirai pas d'ici sans solution. Ici. Monsieur le maire, chef du village, imam, écoutons-leur parler. Cette population de la commune d'Adeyan, voilà la situation des enfants du village. Il y a une inégalité entre les filles et les garçons. Les filles travaillent beaucoup à la maison et arrivent en retard à l'école. Cela entraîne l'analphabétisme, la pauvreté et les violences faites aux enfants. Cela, nous devons changer nos comportements. Vraiment, le monde a changé. Et puis quand les enfants osent-ils parler devant les adultes dans ce temps? Enfants, vous avez bien parlé, comme on le dit, l'adage. La vérité peut aussi sortir la bouche d'un enfant. Désormais, je vous plaidais et fraîchez votre cause. Plus jamais ça. Nous, mamans, vous femmes au foyer, vos enfants ne peuvent pas vous remplacer dans vos cuisines ou à votre ménage. C'est bien beau de pouvoir cuisiner très tôt, mais c'est encore meilleur d'être autonome. Katawa, le monde a changé. Depuis combien de nos filles avons-nous sacrifié? Vous, monsieur, et nous, nous sommes tous coupables. Nous ne pouvons pas crier la victoire, car la bataille sera gagnée quand vos parents relèveront le défi. Mais écoutez, ô ma mère, écoutons cette prière. Ô ma mère, écoutons la prière d'une fille. Je n'ai pas demandé à l'aide. Et pourtant, vous m'avez mis au monde. De grâce, de grâce. Inscrivez-moi à l'école. Et m'y laissez. Je veux apprendre, beaucoup apprendre, toujours apprendre. Je ne veux plus rester à la maison, à préparer le repas et à laver le linge. Je veux être utile à ma société et être heureuse demain. Ô père, ô mère, je veux aller et réussir à l'école. À l'école, à l'école. Amen. L'importance de gagner nos frères à nous. Nous avons tous le droit à l'égalité, le droit d'aller à l'école, le droit de choisir nos maris, le droit de s'exprimer librement. Nous sommes capables de réussir mieux que les garçons à l'école. Nous sommes violentés, violés dans notre chair, violés dans notre liberté. Le mariage précoce nous conduit au domestiquage dans les villes. Cela doit cesser. Oh papa, oh maman, nous qui sommes des espoirs, nos rêves est d'avoir le savoir. Et d'avoir étudié demain, pouvez-vous ne soit pas étudié demain.
oh ma communauté, oh président, je demande la qualité, je demande la notion dans mon apprentissage. Bien, remercions l'EMBA et ses partenaires qui n'ont mélangé aucun effort pour la valorisation de nos filles. Merci. La séance est levée. Merci beaucoup, merci beaucoup.